Blonde, son fils parti chercher la vie, aurait pris pour lui. Hey, 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 elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse. Oh, elle prie pour lui. Hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? C'est votre homme Servité Hériton. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais superbement bien. Continuez de vous abonner, partager, liker et surtout commenter. Voilà, j'ai besoin de voir vos commentaires. Je suis sûr que quand les fans de DJ Rabat ont vu ce titre-là, ils se sont encore dit gala encore. Qu'est-ce qui va venir encore dit? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, je ne parle pas seulement de DJ Rabat dans cette vidéo. Je parle encore aux fans de Bordeaux. Voilà, c'est très important. Donc calmez-vous, écoutez ce que je vais dire avant de m'insulter, s'il vous plaît. Voilà, parce que je l'ai dit, c'est un engagement sans retour. Maintenant, là, ici en tas. Voilà, ici en tas même. Et puis, il sent que vous allez apprécier. Il va vous expliquer pourquoi je dis que votre discours, vous n'allez plus la voir. Je vais bien vous expliquer ça. C'est pas par jalousie. Hein. Je vais bien vous expliquer ça. Vous allez dire, oh, voilà, André, il n'est pas bête. Hein. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Bien avant de commencer la vidéo, il est bien, il est bien, il est bien de vous rappeler encore que vous venez de voir une démo. Tout le monde apprécie le son, tout le monde dit que mon grand frère c'est un dangereux chanteur, qu'il est super talentueux. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Je confirme. Moi quand j'essaie souvent de chanter, vous vous moquez de moi. Est-ce que vous connaissez Hériton? C'est dans la famille. Baby quand tu bouges ton corps, tu me fais perdre la tête, dans mon cœur c'est la fille. Mais si ça je t'embête. Oula, baby, quand tu bouges ton corps, tu me fais perdre la tête, la tête. Ça, c'est un de mes titres. Ne vous pressez pas. Comme je dis, il y a trop de choses. Voilà, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui arrivent. 2019 sera trop chic. Donc, continuez d'aller regarder le clip, de commenter, de vous abonner à sa chaîne, puis de partager son lien. C'est très important. C'est son premier single. Si vous ne le soutenez pas, si les abonnés d'Hériton ne le soutiennent pas, qui va le soutenir, famille? Hein? Le lien est toujours en description, allez checker la vidéo. Voilà, et puis faites vos démos, envoyez-moi. Il y a assez de démos, il y a au moins déjà 30 démos qui sont déjà arrivés. Vous allez voir ça dans les vidéos à venir. Voilà. Une autre information, je crois depuis avant-hier, il y a le grand artiste coupé décalé Serge Benoît qui est souffrant. Il nous a fait montre d'une vidéo de quelques secondes où sa femme lui était en train de lui donner à manger et puis il était sous perfusion. Franchement, je lui envoie tout... mon propre rétablissement, toute ma bonne guérison, en tout cas. Reviens-nous vite pour continuer ce que tu sais si bien faire. Monsieur le professionnel du coupé décalé. Oui, je reconnais ta voix acculée, ta voix critiquée. Vous connaissez, hein, c'est le game qui demandait ça. Voilà. Je le regrette. Voilà. Donc, bonne guérison à Serge Beno et Max de soutien. N'oubliez pas. Il a son compte Instagram qui avait dépassé les 1 million d'abonnés, qui s'est vu pirater. Il a un nouveau Instagram du nom de Serge Menot tout collé. Partez vous abonner là-bas. Voilà, parce que je lui ai dit de ne plus récupérer cet ancien compte-là, sinon il va sentir quelque chose. Bref, de quoi est-ce que je veux parler encore aux fans de Bordeaux? Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, et je persiste à dire encore, que certes, de Bordeaux est son sorcier lui-même. Certes, de Bordeaux boycotte lui-même sa carrière, mais le problème, ce n'est pas de Bordeaux. De Bordeaux écoute les mauvaises personnes qui n'ont pas le courage de lui dire les choses de la vérité en face. C'est cette vérité-là qui dérange beaucoup de fans super, pour ne pas dire beaucoup de super fans de Bordeaux. Voilà. Hériton peut admirer un artiste. C'est ce que je vous dis toujours. Quand c'est bon, on encourage, mais quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais.
Mais avant d'aller plus loin dans ma locution, je rappelle aussi aux fans des Bordeaux du côté de la Suisse, voilà, et aux alentours de la Suisse, qui sera en spectacle au Golden ce 8 mars. Voilà. Je ne suis pas en train de faire des vidéos pour vous dire que vous n'êtes pas parti à ces showcases, mais je suis juste en train de faire des vidéos pour interpeller l'artiste pour dire trop c'est trop, il faut te ressaisir. Faut qu'on t'oblige à te ressaisir. Voilà. Je n'ai jamais vu nulle part un artiste qui dit que c'est lui qui dirige ses fans, mais ce n'est pas ses fans qui le dirigent. Ah bon? Toi, tu chantes, c'est nous on achète, c'est nous on regarde, c'est nous on partage, c'est nous on commande, c'est nous on t'encourage. Voilà, donc fans de Bordeaux depuis la Suisse, déplacez-vous, déplacez-vous. Et puis quand vous vous déplacez, ayez le courage de l'approcher après son spectacle ou avant son spectacle pour dire, ah, de Bordeaux, nous on t'apprécie bien, mais il faut te revoir. Arrête d'écouter les mauvaises personnes. Voilà. Comme je disais en début de vidéo, là, dans le début de mon allocution sur le cas de Bordeaux, quand j'ai fait ma vidéo hier, c'était pas pour écouter la tisse. Désolé. Voilà, vous n'êtes pas dans mon cœur, vous n'êtes même pas divin ni Dieu pour savoir ce que je ressens vraiment pour cet artiste-là. Voilà, je dis seulement ce qui est juste pour lui, ce qui est bon pour lui, ce qui peut l'aider dans sa carrière. Il n'a plus 25 ans, comme je le rappelle toujours, ni 27 ans. Il faut qu'il se ressaisisse. Nous, on est fatigués. Mais on demeure fan. C'est ça le mal en fait. Nous, nous sommes fatigués, mais on demeure fan. Donc, je l'interpelle pour dire, hé, des Bordeaux, si on dit on ne t'aime pas, on a menti. Mais arrête d'écouter ces super fans sorciers là. Que lorsque on fait des vidéos pour venir t'interpeller, il y en a ici qui sont venus faire des vidéos pour t'insulter jusqu'à insulter ta mère. Les gens n'ont pas jacassé comme ça dessus. Mais nous qui venons pour dire que des Bordeaux, ah mon ami, tu exagères. Communique avec nous. Garde la relation fanatiste. Entretiens la relation fanatiste. On nous trouve pour des sorciers. On nous prend pour des méchants, des boycotteurs. N'importe quoi. Souvent, il y a honte. Voilà, vous n'êtes pas fan de l'artiste que quelqu'un, ça je vais vous le dire droit dans les yeux. Vous n'êtes pas fan de l'artiste que quelqu'un ici. Voilà. Ce que j'ai fait, ce que les autres ont fait, chacun a participé à d'abord nettoyer l'image de l'artiste et à le redorer. Donc arrêtez un peu. Arrêtez de parler pour ne rien dire. Tout ce que vous savez faire, c'est dénigrer. On vous connaît pour ça. Vous n'avez pas d'acte concret, vous ne faites rien d'extraordinaire. Arrêtez. Voilà, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un, vous ne connaissez pas mieux que quelqu'un. Je vais vous le dire tous les jours. Donc si ça vous fait mal, ne regardez plus mes vidéos. Mais les fans intelligents de Bordeaux sont d'accord avec moi. Parce que trop, c'est trop. Voilà, c'était le message aux sorciers de fans de Bordeaux. Voilà, c'était irritant. Cependant, maintenant, je tombe rapidement sur Didier Raphat. Je ne vais pas durer sur lui. Je vais vous expliquer simplement pourquoi je dis que votre disque d'or, il est mort. Vous vous rappelez dans le temps, je parlais du Snap. Vous vous rappelez? En Europe, c'est le Snap qui certifie les histoires des disques d'or, disques de platine et consorts. Vous avez dit que je suis un menteur, que mes sources ne sont pas fondées. On ne peut pas se fier seulement au téléchargement sur iTunes pour dire que nous sommes premiers de la semaine, ou nous sommes premiers d'un quelconque, ou même d'une quelconque catégorie d'album ou de single. C'est le Snap. Tant que vous ne voyez pas Didier Raphat dans la liste Snap, interpellez-vous. Maintenant, je vous explique pourquoi Didier Raphat n'aura plus son disque d'or. Le mec, il fait sortir son disque d'or. Dieu merci, en Côte d'Ivoire ici, il n'est pas beau menti. Est-ce qu'il n'a pas vendu 50 000 CD même? En Côte d'Ivoire ici, je parle d'en Côte d'Ivoire ici. Est-ce qu'il n'a pas vendu 50 000 CD? En Côte d'Ivoire ici, il a vendu dangereusement. Mais malheur pour lui, c'est que, à part la Côte d'Ivoire et à part iTunes et Deezer, il ne vendra. Je suis pas dit, il ne vend nulle part. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Parce que c'est à Abidjan seulement. Vous comprenez un peu? Le Cameroun, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Libéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, partout où il a ses fans-là, aucun CD vendu, rien. Et il vous invite à aller sur les plateformes payantes. C'est Tiësto que le Sultan qui va, pour ne pas dire qui va, est-ce que c'est qui va? C'est Tiësto que le Sultan qui a fait vous éloigner de votre disque d'or, je vous explique. Tu fais sortir ton album. Concentre-toi sur ton album, il y a quelqu'un qui est en train de te titiller, il y a quelqu'un qui est en train de te provoquer. Comme quoi, il te veut dans un combat à cage. Et toi, comme tu as dit, Jarafat, on te connaît très bien, on sait que tu es très très impulsif. Comme on dit, tu n'aimes pas foutaise, d'après toi, tu n'es pas une tapette, tu réponds à cette provocation-là. D'abord, ça va ternir ton image, parce que les majors ne vont pas te prendre au sérieux, ils vont se dire que, ah, on ne peut pas concevoir qu'un artiste comme de la tranche de Jarafat fasse sortir un album, et puis. Pour une histoire à demi debout de combat, il oublie son album et il se concentre sur cette histoire de combat-là. De vous à moi, vous voulez avoir quel disque d'or? Le disque d'or que vous voulez avoir, c'est le disque d'or dessiné par le Burida. À part ça, pas les disques d'or du Snap, hein. Faut pas, on va rêver. Tiësto que le Sultan vous a boycotté de la plus belle des manières.
Et là, vraiment, j'ai pas envie de le féliciter, mais moi-même, je n'ai rien compris. Là, seulement, il m'a convaincu. Il commence à être patron du buzz en Côte d'Ivoire ici. Il vous a détourné de votre objectif premier. Il faut des personnes comme nous pour venir vous dire ces vérités-là. Parce que ce qui est malheureux en Côte d'Ivoire ici, les artistes ivoiriens ont des fans qui ne savent pas leur dire la vérité, qui ne savent pas leur donner de bons conseils. Et lorsqu'il y a des personnes comme nous qui essaient d'attirer leur attention pour leur dire, hey, c'est vrai que tu as des fans, tu es très adulé, mais fais comme ça, évite ça pour que tu ailles encore plus loin. On dit non, tu es un sorcier. De vous à moi, ce que j'ai dit là, c'est faux. Vous entendez parler du Dix d'Or maintenant? Vous entendez parler du Dix d'Or? À part la publication de la pochette de l'album, vous entendez parler du Dix d'Or? Vous n'aurez pas ce Dix d'Or là, peut-être au prochain album. Ça, je vous le dis clair. Mais normalement, un album où on voit Ténor, Dadju, Naza, Niska, tu ne peux pas se voir décerner un Dix d'Or? Ah, il y a problème. Je me demande bien, même Fally, je me demande bien. C'est quelle collaboration qui pourra bien donner ce 10 dollars à Didier Arafat encore? En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ma vidéo. Je dis, votre 10 dollars, vous ne l'aurez plus. Si c'est CD que vous avez vendu, si c'est l'argent que Didier Arafat a eu, parce qu'un CD à 5 000, 20 000 CD déjà, ça fait 100 millions. 20 000 CD, ça fait 100 millions. Mais il a vendu plus que ça. Côté marketing, il est très intelligent. Hein, pour chercher l'argent, Didier Arafat est très intelligent. Mais, on parlait des 10 dollars, mais malheureusement, la Chine et leurs artistes ont oublié les Dix d'Or. Si j'ai menti, dites-moi que j'ai menti en commentaire. Hein. Voilà, là maintenant vous pouvez m'insulter. Après, ça va bien écouter ce que je vous ai dit. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. J'avais prévenu depuis dans ma vidéo, on trouvait que j'étais le sorcier de Didier Arafat. Mais bon, j'espère que ces Dix d'Or va venir pour fermer ma bouche. Sinon, vous savez très bien que vous êtes détourné de votre objectif premier, qui était le Dix d'Or. Si ça amuse à faire ce concert et il pourra dire ce combat-là, on ne parlera plus jamais de Didier Arafat. C'est moi qui vous le dis. Je ne le souhaite pas, mais c'est une vérité. Cela est en train d'entacher sa carrière. Comment tu peux te substituer ou vouloir te comparer à l'incomparable? Toi, tu es déjà loin. Tu es déjà trop loin. Quelle histoire de combat avec tes sollicitants? Mais bon, il a bien eu. Il a vraiment bien eu. La Chine, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Les super fans de Bordeaux sorciers, là, j'espère que vous avez compris aussi mon message concernant des Bordeaux. Fans de la Suisse, déplacez-vous. Voilà. L'artiste nous énerve actuellement. On est avec lui. On ne peut pas le laisser. Déplacez-vous ce 8 mars, là, du côté du Golden. 25 francs suisses. Voilà, c'est l'entrée. C'est le passe pour voir des Bordeaux. En showcase, que Dieu vous bénisse, c'était Héritor, on est ensemble.